Socrate, dors! Mais est-ce que tu te fous de ma gueule, toi? J'ai cru qu'on avait fait un marché. Machine à laver. Ouais, machine à laver, c'est ça, allez par là. Tu sais ce que tu mérites? Je devrais te laisser dans ta merde, toi, voilà. Allez, coucher. Non, mais regarde-moi ça, on dirait un gamin de 2 ans. Hey, faut que tu fasses des efforts, hein. J'en ai marre de tes caprices, moi. J'ai mieux à faire dans ma vie que de te torcher le cul. Tu entends ce que je te dis? Tu me facilites pas la tâche. Machine à laver. Machine à laver. Putain, mais machine à laver, t'as que ce mot-là à la bouche. Machine à laver. Machine à laver. Tu sais dire que ça ou quoi? Machine à laver! Machine à laver! Non, là, je galère, là, ça devient impossible. Ah, fais gaffe, t'es en train d'en foutre à côté. Eh merde. C'est clair qu'avec la déviation, là, tu dois plus voir passer grand monde, hein. Pas un pet, c'est clair. Ta sœur, elle a un mec? Quoi? Ta sœur, non, rien, laisse tomber. Allez, prends ça, ça va te remonter. Je suis au froc ce matin. Ah. Juste au moment où je pensais que ça allait un peu mieux. Quand tu mets pas à l'institut. Bah, il tiendrait pour 2 mois. Non, ce qu'il faudrait, c'est que je trouve quelqu'un qui puisse s'en occuper à mi-temps. Ouais, mais ça coûte des ronds.
Mais je sais, mais moi je pourrais aller bosser. À combien? À mi-temps. Si tu veux, quelqu'un s'en occupe à mi-temps, et moi, pendant ce mi-temps, je bosse à mi-temps. Ah, pendant le même mi-temps? Ouais. Et pendant l'autre mi-temps, tu t'occupes de ton frère? Voilà. Ah, c'est juste. Le demi-temps. T'as intérêt à bouger. Y a bientôt plus personne qui passera par là. Tu veux que j'aille où? Hein? Avec la caravane? Tu veux comment? Tu veux que je la porte sur le dos? Elle est pas à la vente, ta caisse. Pour le traitement de Socrate, le pognon, c'est toi qui me l'a dit. Alors, si j'avais du pognon, ça fait belle lurette, j'aurais payé bagage. Ah ouais. Matt! Tu pourrais quand même nous laisser gagner de temps en temps, non? Et tu serais prêt à tout lâcher? Ah non, 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 moi je rejoue pas, non. Avec une seule fois, mon gars. Un autre? Ah! Hé, Jeannot, dans le journal, ils disent que demain, il y a le champion d'échecs Karpov qui sera là pour une exhibition. Il va jouer contre une machine, contre un ordinateur. En vacances dans les Alpes valaisannes, Dimitri Karpov, le turbulent champion d'échecs russe, devrait être présent ce samedi à Bienne pour une partie exhibition contre XR3D3, un ordinateur contre qui il a déjà gagné une fois. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Tiens. C'est demain. On pourrait y aller avec Socrate. Bah, faut voir, hein. Pourquoi pas. Hé, Socrate, qu'est-ce que t'en penses? Ça te dit? Tiens, regarde. Ouais, je te dois combien? 50. Eh ben, mon salaud. Deux sacs de pruneaux. Ils sont faits, mais ils sont bons. Hein. Des pruneaux? Mais pourquoi? Ici, c'est les abricots, c'est pas les pruneaux. Non, mais c'est pas la saison. Les pruneaux, les abricots, c'est du pareil au même, non? Attends, mais du pareil au même. Du pareil au même. Oh, je propose, moi, si t'en veux pas. Non, mais c'est pas ça, mais tu peux pas comparer des pruneaux. Oh, laisse tomber. Tu lui as fait combien, ces pruneaux? 10 balles. 5. Ok. Et voilà le travail. Et tu la trouves comment, toi, Francine? Bah, tu vois, autant pour moi, hein, ces pruneaux sont très bons. Un peu faits, mais très bons. T'es sûr que t'en veux pas? C'est peut-être pas mal si elle vient par là de temps en temps. Ça te ferait plaisir, toi. Vous êtes parti? Non, stop, pause, pause. Вот здесь, на развязке налево. Нет, развернуться. Нет.
Нет, здесь очень красиво. Единственный раз, когда мы никуда не торопимся. Остановись вот там. Combien? Tu aimes les échecs? Tu veux jouer? Tu veux jouer? Matt. Saloperie de Bruno. Bon, c'était qui? Qu'est-ce que c'est, ça? T'as vendu quelque chose? Eh ben, bravo, là, tu vois, là, je suis fier de toi, là. Si ça se trouve, tu vas bientôt pouvoir t'occuper de la boutique tout seul. On s'y remet? Monsieur Karpov, l'ordinateur est prêt. Mr. Karpov, the computer, it's ready.
fuck the computer. De stabilité, eh bien le porte-parole du gouvernement a déclaré que dans la vie, il faut savoir faire des choix. Sans transition et dans le reste de l'actualité, le mystère Karpov continue. L'enquête piétine, hey, toujours aucune trace du grand maître russe disparu. Écoute. Voilà deux semaines. Pour rappel, Dimitri Karpov s'est volatilisé à Bienne quelques minutes avant sa confrontation. Mousseka. Bon ben, à demain. À demain. Ну, заяц, погоди. Si tu t'en vas, si tu t'en vas de la route, si tu t'en vas.